tous et à toutes. Je suis très heureuse, aux côtés d'Alain Vidalis, de vous accueillir dans ce lieu magique. Je remercie le président du muséum, qui est par là, Gilles Boeuf, le directeur, Thomas Grenon, et puis tous les producteurs de Poitou-Charentes qui sont venus là en direct, les élèves des lycées, les producteurs de fromage, etc., qui vont vous régaler tout à l'heure. Écoutez, moi je voudrais d'abord vous dire que cette année, c'est une année importante pour vous tous et vous toutes qui nous défendez la même cause que celle qui nous rassemble aujourd'hui, vous qui êtes à des degrés divers, engagés, investis dans la cause de l'environnement. Bien sûr, nous le savons, ce mois de janvier, notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit, nous ne l'oublions pas, dans un contexte douloureux que chacune et chacun a bien sûr à l'esprit. Un contexte où la France a été durement frappée, n'est pas à l'abri du risque, mais aussi un contexte extraordinaire où le peuple français a apporté dimanche une belle et forte réponse d'unité, de fraternité, de dignité, de courage, une réponse qui nous oblige, et je pense que le premier courage, c'est de continuer, de ne pas nous laisser détourner de la tâche qui est la nôtre, de maintenir avec plus de force encore le combat écologique, car finalement la défense du vivant est sans doute la plus belle façon de répondre à tous les porteurs de mort. Un combat positif qui, loin d'opposer les uns aux autres, affirme ce qui nous lie, ce qui nous relie les uns aux autres et tous aux écosystèmes de notre commune planète. Un combat pour remettre l'humain au cœur d'un nouveau modèle de développement, capable de pousser les portes de l'avenir. Un combat aussi pour placer les citoyens au centre d'une nouvelle démocratie environnementale. Nous avons la chance commune, chacun dans notre rôle, de travailler sur des sujets porteurs de sens et d'espoir qui touchent à toutes les dimensions de la vie des Français, mais aussi de celle des citoyens du monde entier. C'est le ministère de la vie quotidienne, sous bien des aspects, celui des emplois nouveaux. Et donc c'est aussi, vous le savez, le ministère de l'avenir, vous qui vous engagez si fortement par vos actions associatives ou d'élus ou d'entreprises dans cette tâche magnifique. C'est pourquoi nous avons tenu à maintenir à la date prévue nos vœux les plus chaleureux pour vous, pour vos familles, pour vos proches, vœux de bonheur, de plein épanouissement dans les métiers et les engagements civiques qui sont les vôtres, et qui vont nous conduire à œuvrer encore plus activement ensemble au cours de cette année déterminante. J'ai souhaité que nous nous retrouvions dans un lieu emblématique de l'excellence scientifique française, dont le ministère de l'écologie et du développement durable assure la tutelle avec celui de la culture et celui de la recherche. Cette grande galerie dédiée à l'évolution de la vie. Nous voici donc dans un des fleurons, ce Muséum national d'histoire naturelle, dont le parcours est jalonné de victoires contre les obscurantismes et les conservatismes. Ce fut le cas avec la Révolution française et la décision de la Convention en 1793 qui a créé le musée moderne. Ce fut le cas avec les travaux de Lamarck annonçant ceux de Darwin, puis avec l'inauguration, à la fin du XIXe siècle, de ce que l'on surnomma alors le Louvre de l'histoire naturelle. Et c'est toujours le cas, aujourd'hui, avec les travaux actuels des chercheurs du Muséum, complémentaires de ceux du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et auxquels contribuent de nombreux scientifiques français, au premier rang desquels Jean Jouzel. Cependant que le muséum, n'est-ce pas, cher Gilles Boeuf, alertait sur la nécessité de protéger en même temps la biodiversité, tout en aidant à préciser la question complexe et très actuelle des compensations écologiques. Ici aussi, le savoir est mis à la disposition de tous. Il contribue à sensibiliser tous les publics et cette démocratisation des connaissances, chère au Muséum d'histoire naturelle, inspire ses programmes de sciences participatives. J'y vois donc un point d'appui essentiel pour
pour le développement de l'éducation à l'environnement qui sera l'un de mes grands chantiers de l'année 2015, car pour bien agir, il faut bien comprendre et de nombreux travaux d'ailleurs vont m'aider à porter ce projet avec le ministère de l'Éducation et celui de la Recherche. En 2015, et comme je l'ai dit, à la tribune de la conférence climat de Lima, vous étiez d'ailleurs un certain nombre ici présents le mois dernier, je voudrais dire que nous sommes réunis à un moment critique pour notre avenir commun et qu'il y a trois bonnes nouvelles et une moins réjouissante. La nouvelle la moins réjouissante, c'est que le dérèglement climatique s'accélère et que les actions pour y répondre efficacement sont beaucoup trop faibles, qu'il faut beaucoup plus de courage et de détermination. Mais il y a aussi trois bonnes nouvelles. D'abord, la prise de conscience, car comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, il n'y a pas d'autre plan parce qu'il n'y a pas d'autre planète. La deuxième bonne nouvelle, ce sont les capacités d'action que vous représentez d'ailleurs ici. C'est-à-dire qu'on connaît les moyens d'agir et donc que nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas les utiliser. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est qu'enfin on reconnaît que la crise est une chance à saisir. Car là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. Autrement dit, la création d'un autre modèle de développement est la clé à la fois du bien-être et de la paix sur la planète. Je résumerai ces trois bonnes nouvelles par cette belle idée qui est sur la carte de vœux que je vous ai adressée. Tout être humain a deux planètes, a deux patries, la sienne et la planète. Et en agissant pour protéger l'une, il protège l'autre. Et les peuples commencent à le comprendre et à se mettre en mouvement. Alors la France va recevoir la conférence Paris Climat et cela nous donne une volonté forte d'être exemplaire. Et je sais que chacun d'entre vous, que ce soit les grandes organisations, les grandes ONG ici présentes, les grandes entreprises, les parlementaires, les élus, citoyens que vous êtes engagés, je sais que vous êtes conscients de cette échéance et que vous êtes le maximum. Et cela va nous donner la force d'être exemplaires. 2015 sera l'année de la transition énergétique, avec l'adoption définitive du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, mais aussi des actions concrètes qui vont l'accompagner, et en particulier les 200 territoires de la transition énergétique à énergie positive qui seront rendus prochainement publics. Ce sera aussi l'année de la biodiversité, avec l'adoption de la loi sur la biodiversité et de l'Agence pour la biodiversité que parraine Hubert Reeves. Et enfin, ce sera aussi, sans vouloir être exhaustive, l'année de la montée en puissance d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, outre celui de l'éducation à l'environnement, celui du plan national santé-environnement. Et donc, pour réussir tous ces enjeux, eh bien, j'ai besoin de vous, bien évidemment, pas moi personnellement, mais bien évidemment, notre planète commune, notre volonté commune. Et il y a, de ce point de vue, deux dimensions complémentaires qui sont essentielles, qui sont plus transversales, j'allais dire. D'abord, la question démocratique et ensuite la question sociale. Nous devons construire une nouvelle démocratie environnementale. On le sait, nos modalités de consultation et d'enquête publique datent. Leur inadaptation est source de conflits autour de certains projets. C'est pourquoi la modernisation du droit de l'environnement, la simplification des procédures, le développement de la démocratie participative à partir de la consultation lancée au Conseil national de la transition écologique va s'accélérer puisqu'un premier rapport sera remis avant la fin de ce mois et que les implications législatives qui en résulteront pourront être inscrites soit dans la loi sur la biodiversité, soit dans un texte spécifique que le Parlement examinera à l'automne. Oui, le moment est venu de mettre en pratique une nouvelle démocratie environnementale qui ne s'oppose pas à la légitimité des élus car elles sont complémentaires et toutes deux vivifient notre démocratie. Et puis, la question de la justice environnementale, elle est cruciale, elle est majeure, elle est au cœur d'ailleurs de la conférence climat. À la fois, que j'ai souvent appelé la sociale écologie, à la fois entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi pour la justice sociale au sein de nos sociétés. Car ce sont toujours les plus démunis, les plus fragiles, qui sont les plus exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes,
liées au dérèglement climatique, aux pollutions en tout genre, au cadre de vie dégradé et aux conséquences pour la santé d'une mauvaise alimentation. Alors les Français viennent de montrer qu'ils avaient soif de cohésion nationale et ils en ont été les premiers acteurs. Eh bien, la cause écologique et la justice climatique justifient la même cohésion pour faire face équitablement aux menaces d'une dérive du climat, d'une érosion de la biodiversité dont les plus vulnérables sont les premières victimes. À nous d'en faire de puissants facteurs de cohésion sociale, nationale et internationale. Il faut pour cela qu'elle soit porteuse d'un espoir crédible pour les peuples de la planète et tout particulièrement pour les jeunes, à l'horizon si souvent bouché alors qu'il y a tant à créer. Soyons conscients qu'il en va aussi de notre sécurité collective, car le laisser-aller climatique est lourd de conflits à venir, avec la question, par exemple, la question massive des réfugiés climatiques. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je sais aussi que, au-delà de ce catastrophisme qui est malgré tout nécessaire pour sa prise de conscience, il y a aussi une formidable énergie, une formidable mobilisation. Et moi, je suis optimiste, je suis convaincue que l'intelligence humaine, même si le chemin est difficile, saura être à la hauteur de cette tâche. Et pour terminer, je voudrais ne pas nous séparer, enfin nous allons rester ensemble quelques instants pour partager ce moment d'amitié et de fraternité, mais je voudrais quand même laisser une petite place à la poésie, j'allais dire presque à la méditation, avec cette phrase magnifique d'Hubert Reeves qui dit ceci, et puis ensuite une pensée indienne que vous connaissez peut-être aussi, mais que j'aime énormément, Hubert Reeves. Je passe beaucoup de temps dans la compagnie des arbres. J'aime aller à leur rencontre, pénétrer dans leur univers. Leur présence intense et discrète accompagne ma réflexion ou ma rêverie. Parmi eux, j'ai le sentiment confus de notre participation commune à ce puissant courant de vie qui se manifeste dans la succession de milliards de générations d'êtres vivants sur notre planète, dans un coin perdu de la Voie lactée. Et puis ce beau récit indien qui dit ceci, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent, on ne se lasse pas d'ailleurs de le relire et de le répéter, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse à la toile, il le fait à lui-même. Et c'est ce beau défi que nous allons relever ensemble. Je vous en remercie à l'avance et je vous souhaite une très belle et une très bonne année.